Lors de la troisième journée au Parlement francophone des jeunes des Amériques, les parlementaires n'ont pas siégé en chambre. Ils sont débattus en commission, notamment sur le projet de loi concernant les armes à feu que le parti Hippocampe a déposé. Ils proposent d'abolir le commerce d'armes à feu et de mettre sur pied une régie qui contrôlera l'ensemble de l'industrie. Les députés se sont penchés, entre autres, sur l'article 2 qui se comporte des citoyens qui peuvent utiliser les armes. Cela dit, le parti au pouvoir ne se dit pas contre, alors que l'opposition officielle se dit complètement contre. Nous, notre parti n'est pas contre la restriction du droit de possession et d'utilisation des armes à feu dans les Amériques. Ceci étant dit, nous trouvons que, comme il a été présenté hier en Chambre, le projet de loi du deuxième groupe d'opposition de l'Alliance Hippocampe est un peu trop radical, un peu trop extrême dans ses moyens. Ah, moi, je suis complètement contre qu'on interdise à n'importe qui d'avoir des armes à feu. Je crois que c'est la liberté même d'un individu de pouvoir se protéger, de tout simplement vouloir une arme de chasse pour pouvoir aller à la chasse. Je crois qu'on brime la liberté de sécurité de nos citoyens. Je crois que c'est un peu trop de demander d'abolir les armes à feu.